La sécurité est essentielle. La sécurité à Nice est essentielle parce qu'effectivement, eh bien, les flux touristiques, le nombre de sa population fait que, effectivement, eh bien, en rapport à ces flux, eh bien, nous sommes confrontés à une délinquance malheureusement parfois trop violente, qui également, eh bien, avec le volet dont vous avez rappelé l'existence et pour lequel nous menons conjointement des actions, Monsieur le Maire. Depuis presque 3 ans, depuis mon arrivée à Nice, et je veux parler du trafic de stupéfiants. Un chiffre, très vite, parce que je vous le donne, parce que je l'ai actualisé ce matin. Depuis des années, nous avons traduit devant le tribunal correctionnel de Nice 700 personnes, 700 trafiquants de drogue, avec des peines qui sont à la hauteur, bien évidemment, des enjeux et des infractions qui sont commises. Pour que cette lutte contre la délinquance réussisse, doit être nécessairement une coproduction de sécurité, qui associe bien évidemment eh bien, toutes les bonnes volontés, mais bien évidemment dans un cadre institutionnel, eh bien, tous les partenaires. Je pense au premier chef, bien sûr, à vous, Police nationale. Je pense aussi également, bien évidemment, à votre police municipale, qui est présente quotidiennement dans les rues de Nice. Et c'est un atout, je crois, pour le dire, tant en matière de prévention qu'en matière de délucidation. Parce que ces dispositifs qui sont en place dans cette ville de Nice nous permettent d'élucider un certain nombre d'affaires. Vous êtes une force d'élite dans notre pays qui est tellement sollicitée. C'est un privilège pour nous. C'est une chance. Je pense aussi que c'est une reconnaissance au fond où le ministre a parfaitement identifié que le travail que nous faisions conjointement avec la justice, avec les forces de police locales, et avec les forces mobiles lorsqu'elles étaient provisoirement mises à notre disposition, était un travail extrêmement sérieux. Et donc, ça l'a sans doute encouragé à se dire qu'il fallait effectivement s'inscrire dans cette action. Je le dis en toute franchise, avec fermeté, que lorsque le gouvernement prend des engagements, il les tient. Et vous le savez, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a affirmé à plusieurs reprises, y compris ici même à Nice, que l'État fournirait un effort particulier, considérable, pour notre ville, pour notre département, en renforçant les capacités opérationnelles des forces de sécurité de l'État. Un effort qui est d'ailleurs à l'image de celui que vous consentez, Monsieur le ministre, avec votre police municipale, qui travaille, il faut le souligner, en parfaite intelligence et complémentarité avec la police nationale. Complémentarité, solidarité, et ça donne des résultats qui sont vraiment admirables. Et je constate, moi, globalement, que l'été s'est globalement bien déroulé sur le front de la sécurité, et les comparaisons avec les années passées peuvent être faites. Oui, cette année, on a fait mieux, et on a fait mieux ensemble.